Poisson. Super. Super. Attends, cocotte. Super. Ah. Oh putain que t'es belle. Alors fais voir. Voilà. Voilà, décroché. Voilà. Première truite de l'année. Magnifique. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Superbe truite. Allez, on la relâche. Allez, ma mère. Superbe. Génial. Trop content. Trop content. L'eau, elle est super froide. Voilà, sur le nouveau petit Ryuki. Super. J'animais vraiment très lentement sur le fond en le faisant sautiller, puis ça a payé. Waouh, je suis super content. Génial. Allez, on continue. Mon coin de paradis, mon coin de paradis. Poisson, superbe. Oh, elle est belle. Alors ça, incroyable. C'est assez impressionnant, c'est une... Ça a l'air d'être une lâchée, hein. Les nageoires sont un peu abîmées. Mais alors, s'il y a des lâchés ici, ça craint un petit peu, mais bon. Allez, on va la lâcher. Allez. Et repart nickel. Ah, super. Super, super. Bon, joli poisson sur... C'est encore un très joli spot. Ah, vraiment cool. Ah, ça fait du bien de retrouver un peu ces sensations. Ouh. Voilà les amis, on se quitte là-dessus. Petite vidéo d'ouverture. Assez compliquée pour moi cette année. Avec pas mal de cours d'eau, avec des eaux très froides, très chargées. Et surtout avec beaucoup de débit. Et puis là finalement, je suis revenu à mon premier amour, mon paradis. Je pensais que j'allais avoir les mêmes conditions que en plaine. Mais il faut croire qu'en montagne,
les cours d'eau sont en meilleur état entre guillemets. Voilà, avec deux jolis poissons, une première sauvage magnifique et puis une deuxième truite qui s'apparente à une truite de lâcher. Mais encore une fois, je vous dis, on est vraiment en pleine nature et je trouve ça assez bizarre de retrouver ce type de poisson ici. J'espère que pour vous l'ouverture n'a pas été trop compliquée non plus. De toute façon, les conditions vont s'améliorer et vous inquiétez pas. Bientôt, vous aurez de jolis poissons, je l'espère. Et puis, ça a été l'occasion pour moi de tester aussi la nouvelle canne qui est extraordinaire. Donc voilà, l'ensemble est baptisé et je suis vraiment très très content. Voilà, trêve de blabla et puis on se retrouve comme d'habitude pour nouvelles aventures. Ciao !